Something you may not have known about Croatia. During the 17th century, the French Empire's cavalry was made up almost exclusively of Croatian soldiers. They were recognizable by the special sashes that they wore around their necks. Well, eventually, those sashes became a fashionable item in Paris, of course, first, and the French called it a cravat, after the Croats. We know it as the tie. Hrvatski ukras osvojio je cijeli svijet. Non, la cravate pour moi fait partie de mon vêtement journalier. Je ne me sens déshabillé si je n'ai pas une cravate. Kod muške odjeće većinom je sve ostalo i prigušeno na ovaj način, a kravata je ona koja živo govori. Est très importante parce que la cravate est un objet que l'on change pratiquement à travers la chemise et le costume. Donc la cravate a une très grande importance. Da bi se shvatilo kako je kravata od odjevnog ukrasa postala glavnim simbolom građanske uljuđenosti, potrebno se vratiti na ishodište njezina nastanka u vrijeme kada su hrvatski konjanici, prolazeći kroz Pariz, izazvali pozornost svojim lijepo zavezanim ukrasnim maramama. Donc vers 1630 par là, qui aurait lancé la mode de la cravate comme un foulard noué autour du cou. Il faut bien comprendre que entre cette apparition de ce foulard croate et d'autres choses qui pouvaient ressembler à des cravates dans l'histoire, il y a plus de 15 ou 17 siècles. Je pense qu'elle s'est répandue par les aristocraties. Ces aristocraties européennes du 17e siècle étaient très internationales. Il y avait beaucoup de liens entre eux. Et cette aristocratie a suivi la mode française. Prihvativši u progonstvu novu francusku modu, kralj Charles II. Je nakon povratka u Englesku potaknuo daljnje širenje kravate. Sljedećih godina prešla je i u američke kolonije, te je u cijelom zapadnom svijetu postala obvezatni plemički, a poslije i građanski ukras. Elle est très belle. Je la porterai. Dobro zavezana kravata prvi je ozbiljan korak u životu. Legendarna je izreka Oscara Wilda. Honor de Balzac je pak napisao cijelu studiju o vezivanju čvorova na kravati. Zapravo, način vezivanja je, već od samog prepoznavanja hrvatske kravate u Parizu 17. stoljeća, bio jednako važan kao i sama kravata. Dijelovi tkanine su se posebno pažljivo čvorovali, vezivali i kao takvi su doveli do raznovrsnih novih oblika. To je ono što je zapravo zaposlilo Parižane. Voilà, je vais mettre la cravate croate. Potamak. Voilà, voyez-vous, la cravate est un geste de l'homme, facile, sans miroir. C'est un geste habituel de l'homme. Voilà comment on met la cravate, sans se regarder dans un miroir. Voilà, la cravate est toujours mise d'une manière automatique. C'est un geste automatique de l'homme, la cravate. Il n'a même pas besoin de se regarder dans un miroir. La cravate, elle est mise et elle est très belle, voilà.